Salut les gameuses, c'est Monsieur X Lobby et Mordor Idol pour une nouvelle vidéo qui sera sur Marvel vs Capcom 3. Goomba! Goomba à vous. Donc, alors la vidéo, ça sera juste 3 combats. Alors, je crois que c'est Mordor Idol qui va gagner, donc 2-1. Mordor Idol, il est du côté gauche et moi, Monsieur X Lobby, donc, Monsieur du côté droit, pardon. Et on a fait tous les deux un 80% Capcom, je crois. Ouais, à peu près Capcom. Ouais, Capcom. Toi, t'as pris que Capcom, toi. Ouais, Vice Capcom. Street Fighter DMC. Vice Capcom. Donc, c'était pour vous. Bah, en fait, ça fait longtemps qu'on a fait une vidéo. Enfin, que moi, personnellement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Vous avez pu le constater. Ça doit faire un mois que j'ai fait une vidéo. Donc, ce serait peut-être temps que j'en fasse une. Ah, moi, j'ai perdu dans la nature. Voilà. Mais par contre, en niveau versus, ça faisait longtemps que j'en ai fait un avec toi. Ça faisait 2 mois. Oh, avant, le premier c'était Injustice, le premier qu'on a fait. Toi, t'as sorti une vidéo il y a pas longtemps, toi, NHL 14. Ouais, j'avais envie de faire parce que la démo, ça faisait un petit bout de temps que je l'attendais et j'avais envie de la faire. Donc, bon, j'en ai chié pour faire l'enregistrement parce qu'il y avait toujours un petit souci. Donc, à la longue, ça fait longtemps, je pense, c'est que je commençais vraiment à plus supporter le fait de recommencer sans arrêt. Donc, j'ai fait ça et là, je vais peut-être faire prochainement, c'est entre deux vidéos, c'est faire quelques petites chansons de Guitar Hero, peut-être plus une ou deux ou trois dans la semaine. Comme ça, au moins, ça fera un truc assez sympa, ça changera, puis ça fera pas que du bourrin ou des trucs où ça se tape dessus. Voilà, c'est ta raison, c'est bien. Par contre, moi, oui, donc le côté Guitar Hero, toi, tu es en plus un expert. Ouais. Voilà, donc, moi, je ne ferai pas de Guitar Hero, ce n'est pas mon raison. En normal, c'est déjà bien. Mais, remarque ce que tu pourrais faire, toi, je pense que même tu pourrais le faire, ça pourrait être sympa et fun, c'est pourquoi pas un extrait sur un DMC, parce qu'on est fun aussi. Puis, vu comment tu t'éclates avec les flingues. Ouais, j'aime les flingues. Donc oui, bah, pourquoi pas faire sur un DMC, ou en HD collection, enfin... peut-être un HD collection pour un peu nostalgique, ouais, peut-être sympa. Ouais, on va voir. Ouais, je vais réfléchir et puis on verra ce qu'on va faire. Donnez votre avis. Oui, on voulait faire aussi, c'était peut-être une prochaine vidéo, donc genre spécial Capcom. Donc bon, par contre, en Marvel vs Capcom, le problème c'est qu'il n'y a que deux personnages de DMC, deux personnages de Resident Evil, donc ça va pas être tort. Enfin, on verra ce qu'on va faire pour une suite. Je pensais à faire un spécial versus, donc maintenant on a quoi comme nouveau combat, on peut très bien faire Mortal Kombat. On pourra essayer de choper Tekken Tournament 2 et puis tu voulais quoi en plus d'ici non, le Street Fighter avec Cross Tekken. Cross Tekken. Et ouais. Le Super Street Fighter 4 hors code édition. Voilà, pourquoi pas retourner. Puis tu voulais faire aussi Mickey Oui, je ferai peut-être un test pour le Castle of Illusion qui est sorti là sur. Le Mickey qui était sorti sur Sega Mega Drive il y a déjà un bon bout de temps. Ça serait sympa de le refaire pour montrer à quel point ça a changé. Et si je peux trouver quelques petites images, j'en incrusterai de temps en temps pour montrer le comparatif entre avant maintenant. Pour voir à quel point ça a évolué, mais qu'ils sont fidèles au jeu. Ouais, voilà, faire un petit peu de vidéo pour voir Donc oui, je crois que c'est Attends, j'avais... Par contre, oui, on avait fait 3 combats avant, donc j'avais gagné les 3 combats, et j'avais oublié... oublié de capturer un 2, donc c'est pour ça, pendant un truc. Voilà, du coup, on a fait... Après, on a fait 3 vidéos, enfin, 3 combats, où je me suis fait littéralement défendre ou exploser. Aux 2 combats, bon, le 3ème, j'ai gagné. Heureusement, hein, ça tend quand même, parce que c'était un peu... Voilà, alors là, les Hadouken dans le vent, on sait, ça j'ai fait, j'ai arrêté pas de faire ça, là, je comprenais pas, je sais pas sur la touche pourtant, mais pas mal qu'ils ont été dans le vent. Donc voilà, on fera aussi une des unboxings, donc on a Splinter Cell à faire Blacklist, il y a pas longtemps qu'il est sorti. Même d'autres jeux. D'autres jeux. Sortis, donc oui, je précise que le Blacklist aussi, ce sera là, c'est le 5ème Liberté. Ouais, l'édition 5ème Liberté. Voilà, donc on aura aussi le Terminal de la Garde du Nord, on peut faire. On peut faire God of War Ascension, Darksiders 2. Darksiders 2. On peut faire Resident Evil 6. Voilà, ouais. Pas mal de petits collecteurs. Je pense même faire l'édition carte package de Black Ops 2. Pour Metal Gear Rising, tiens. Metal Gear Rising, c'est pas pour la sortie. Je suis fan de la série. Enfin, d'ailleurs, la semaine prochaine, petite parenthèse, la semaine prochaine, un petit. Une petite offre côté nostalgie, Legacy Collection, que j'ai réservé. Et vu que je suis fan de la série, bah.
je vais en faire un je pense, hein, parce que ça fait le temps. Je l'ai pas encore fait, je devais pas le dire. Alors que c'est ma série préférée. Justice aussi, ah oui Justice, mon boxing de Justice. Bah, tu l'as déjà fait, moi je l'avais déjà fait, après si tu veux le faire de ton côté, tu peux le faire aussi. Oui, de toute façon après les figurines seront rangées dans une belle vitrine après. Ouais. Après il faut qu'on fasse aussi en sorte de trouver quelqu'un qui... Tiens, un petit annonce, ouais, si quelqu'un serait motivé à nous faire gratuitement avec gentillesse, délicatesse et plein d'amour dans ce projet, nous faire chacun une petite intro YouTube, parce que nous on est des grosses buses. On se sert du cinéma 4D comme une courgette pourrait servir à faire des œufs. Même pas, le cinéma 4D on peut pas l'avoir. Donc on avait demandé à une certaine personne, il nous l'avait dit qu'il allait nous la faire et puis en fait on continue de la pas fait. Bon enfin bref c'est pas grave, hein, s'il y avait quelques âmes charitables qui seraient prêts à nous secourir, entre youtubeurs faut céder. Hein. Enfin bref, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir? Sais-tu que le jeu vidéo en ce moment sont étudiés par des scientifiques? J'ai vu ça sur jeuxvideo.com. Oui, je sais, le sujet est totalement débile. Bah, c'est bien aussi d'informer les gens sur les nouveautés qu'ils pourraient avoir. On pourrait même faire des sortes de vidéos où on pourrait parler sur Watch Dogs, Black Flag, les grosses sorties annoncées qui seront annoncées pour. Toi t'es pété avec Hulk. Ouais Hulk j'en avais marre donc j'ai pris un perso pété parce que j'en avais marre de me faire ramollir. Donc j'en avais un peu marre. Donc oui faire des chroniques, voilà. Mais je compte me faire peut-être, même vu que j'ai Metal Gear Solid le Galaxy Collection, peut-être qu'on faire un petit chrono où je pourrais faire un let's play du 1, du 2, du 3, du 4 et un Surrising parce que c'est ma série préférée donc j'aimerais bien faire quelque chose en attendant Phantom Pain. Même si Kojima a bien dit qu'il sortirait un Metal Gear. Metal Gear, pardon. Ah, mais tu me pourrissais, moi j'avais Wesker, j'y arrive à rien. Il a bien dit oui Kojima qu'il ferait un nouveau Metal Gear à la fin de cette année, on attend, on n'a toujours pas d'informations. J'essaierai de chercher encore une fois. Sinon ouais donc on a encore pas mal de projets. Moi faudrait que je voie pour faire l'épisode 2 du Silent Hill aussi parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas fait et je sais pas si ça vaut le coup de faire. Je me suis même demandé si j'allais pas faire plutôt des épisodes de 15 minutes au lieu de 30 minutes. Donc je vais réfléchir, je vais voir tout ça aussi. Oui. Mais voilà, pour le Silent Hill, je pense qu'il y en aura un qui va arriver dans pas longtemps. Ouais. Ah oui, puis aussi pour la Paris Games Week, on essaiera d'y aller tous ensemble et de filmer quelques trucs. Voilà, on va essayer de nous filmer tous ensemble pour essayer de vous ramener quelques informations. Peut-être pas des vidéos, mais au moins donner nos impressions à chaud à chaque fois en filmant. Voilà, on va filmer pour son façon de filmer. Voilà. Donc voilà. Alors on va vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez la vidéo. Après s'il y a le Hulk qui se la pète. Voilà. Donc, voilà. Abonnez-vous, partagez si ça vous a plu, likez, ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci. Ciao.